Telle est l'ambiance qui caractérisait les membres du parti Sawanya Frodebou lors de l'ouverture d'une permanence de ce parti en zone Kanyosha de la commune Moha ce 19 mai 2019. Écoutez à ce propos le vice-président du parti de Melchior Ndadaye, M. Léonce Ngendakouman. Nous sommes en train de faire une tournée dans tout le pays pour rencontrer nos militants. D'abord pour les encourager à continuer le combat pour la démocratie. Les encourager à continuer le combat pour la cohabitation pacifique. Les encourager pour continuer un combat pour la lutte contre la pauvreté, contre la misère, contre le chômage, qui sont des handicaps, des entraves au processus démocratique dans ce pays. Dans des pays divisés, dans des pays pauvres, la démocratie est franchement impossible. Alors nous sommes venus pour appuyer les initiatives qu'ils ont. Ils sont en train d'organiser le parti, ils sont en train de mettre en place les organes, les animer comme vous le voyez maintenant. Ils sont en train même de se réconcilier. La réconciliation du Frodebou, alors c'est encourager toutes ces initiatives, mais surtout, c'est pour leur indiquer, pour leur communiquer que nous avons élaboré, que nous sommes en train d'élaborer un discours politique qui contient tous les aspects de la vie nationale, de nouvelles orientations, d'abord pour rassurer, pour répondre aux préoccupations de nos militants, ensuite pour répondre aux préoccupations de nos partenaires et préparer les élections vers un Burundi digne, un Burundi réconcilié, un Burundi uni, un Burundi prospère. Voilà où nous voulons en arriver dans ce cadre de descente. Vous avez également dit que le Burundi est affaibli. Qu'est-ce que c'est? Le Burundi est isolé. Diplomatiquement, le Burundi est isolé. Nous sommes presque en conflit avec tous les pays de la région, tous les pays de l'Union africaine, tous les pays de l'Union européenne, tous les pays regroupés au sein des Nations Unies. Le Burundi est en conflit. Donc, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cet isolement, au risque de nous retrouver étouffés. Nous risquons de disparaître si nous ne faisons pas attention. Nous devons ouvrir les frontières du Burundi pour que nous puissions bénéficier de tout ce qu'il faut avec nos partenaires. Nous sommes dans une phase de mondialisation. Le Burundi ne peut pas rester isolé comme ça. La stratégie est très simple. À l'aide de notre discours politique, nous allons mener des contacts politiques et diplomatiques. Nous allons rencontrer les représentants de ces pays. Il y a des ambassadeurs ici. Nous allons rencontrer les représentants de ces organisations. L'Union européenne a des représentations ici. L'ONU a des représentations ici. De même pour l'Union africaine. Nous allons les rencontrer avec notre discours programme pour leur montrer que le Burundi est encore vivable.